Montréal TV est à l'Olympia pour la toute première édition du gala Dynasty. Une soirée chic et glam qui récompense le dynamisme et l'excellence de la communauté noire de Montréal. Moi, je trouve que c'est une très belle initiative. En fait, c'est toujours le fun de pouvoir justement passer une soirée entre nous pour se féliciter. Puis je vois ça vraiment comme un pur bonheur, puis de prendre le temps de se changer nous autres, parce qu'on se voit pas beaucoup, en fait, pendant l'année. Donc, c'est plaisant. On dirait qu'on est tous éparpillés dans quelques projets, mais de se rassembler ensemble, c'est très le fun. Le Gala Dynasty, ben moi, je suis super content qu'un événement comme ça ait lieu. Je crois que ça représente une opportunité de rencontre, de rassemblement, puis aussi d'initiative, hein, voyant plusieurs artistes de plusieurs domaines, tous réunis ensemble, d'échanger. Je crois que c'est des histoires qui peuvent juste nous motiver à créer encore plus. That is amazing. It's so rare, right? And to see all the communities together, English, French, and that we're all from different places is just amazing to see and to show that we're one. We're, you know, there's solidarity. And it needs to happen more often, that's for sure. It definitely does. T'es nominé, si tu gagnes, quelle sera ta réaction? Ma réaction, tu veux vraiment voir ma réaction? Regarde, t'es prêt ou pas? Aïe, aïe, aïe! Roger Mila! Voilà ma réaction, ce sera ça sur scène. C'est merveilleux. Écoute, ça fait des années, je me dis, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Puis là, c'est tous les gens qu'on connaît. C'est tous les gens de la communauté noire, mais les gens aussi qui travaillent aux alentours de la communauté. Donc, c'est pas tous des gens qu'on voit à la télé, à la radio, mais c'est bien de les voir aujourd'hui en vrai. Je tremblais de fierté et de bonheur parce que moi, je crois beaucoup à la diversité culturelle. Mon émission à la radio, c'est l'archétype du Québec, selon moi, parce que je joue la moitié des musiques du monde, donc des musiques qui viennent de partout sur la planète. Et la question, est-ce que les souliers ont aidé? Ah ben, je sais pas, on les voit pas à la radio. Moi, je suis pas assez beau pour faire de la télévision. Je fais pas de télé, moi, je fais que de la radio. Donc je sais pas si les souliers à la radio sonnent bien, peut-être. Écoute, c'est une belle reconnaissance. Moi, tu vois, c'est rare que je reçois des prix, donc d'avoir son travail souligné par un truc comme ça, ça fait plaisir. En plus, dans la catégorie dans laquelle j'étais, on n'est que des amis dans cette catégorie-là. Donc ce prix-là, je le partage avec tous ces gens-là. Et voilà, je suis très fier et très content. Donc on se dit à l'année prochaine? Exactement!